Welcome to GT5 Class Racing, your entry point into the world of Grand Touring Racing. This is a single championship sport, where you'll be driving the Jinetta G40 against a field of identical cars. Each round features a sprint race and a main race. All race finishers will earn points, and bonus points are awarded for the fastest qualifying time and fastest race lap time. There's a mandatory pit stop during the main race. The pit lane is always open for refueling, repairs, and tire changes. It's time to start your Grand Touring career. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour notre deuxième saison dans Project Cars, et cette fois-ci, eh bien, même si certains n'étaient pas très chauds dans les commentaires, on va s'attaquer à la Jinetta. Alors j'en ai beaucoup qui m'ont dit, je vais faire un petit point quand même. Oui, Maxou, on veut du GT3, du GT2, du Proto, de la Formula, Formule B. Bon, faut savoir que la carrière, justement, le principe, c'est d'avoir une évolution exponentielle dans les catégories. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire quelques saisons ensemble, où bah, je piloterai de la Formule C, du GT4, du GT5, de la Formula Rookie, peut-être même de la Clio Cup, je sais pas comment ça se passe. La première saison, visiblement, ça se passe par palier, si j'ai bien vu, donc on va voir comment on va faire évoluer cette carrière pour que ce ne soit pas ni trop long, ni trop court. Donc on a d'abord fait donc, la saison en Formula Rookie, qui correspond aux 9 premiers épisodes de la série, et ce 10e épisode, eh bien, ça y est, nous sommes en Jinetta G40 Junior. Vous avez vu la vidéo de présentation en tout début de vidéo, et eh bien, on va essayer de s'attaquer à ce genre de comportement qui est différent d'une Formula Rookie. On a une carrosserie, on a différentes règles au niveau des voitures, etc. Donc les courses également imposent un arrêt au stand obligatoire dans la version longue, donc on va voir comment on peut peut-être tirer un avantage, voir si je ne vais pas rallonger un petit peu les courses. Enfin bon, vous allez voir un petit peu tout ça dans les semaines qui viennent pour cette deuxième saison. J'ai vu que pour ce championnat-ci, il y avait 5 manches, donc ça va être un petit peu plus long que ce qu'on avait avec les 3 manches qui composaient les championnats de Formula Rookie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite coupure où je vais faire mes setups et on se retrouve juste après. Oh là là, et la Jinetta qui a beaucoup de mal à s'élancer. Et pourtant, nous sommes partis. Nous sommes partis et on perd le commandement. Dans le premier droit, on s'est fait avoir par Ron Robertson. Et les conditions de course qui sont nuageuses, hein, je le rappelle. C'est ce qui était indiqué par la direction de course avant le début de l'épreuve. Donc on va voir où tout cela va nous mener. On avait la pole pour 2 dixièmes, ce qui n'est pas exceptionnel en termes de rythme de course, mais on va voir. Donc la manche sprint, il n'y a que 2 tours, mais la manche d'endurance sera bien sûr plus longue. Hein. Alors je rappelle qu'il y a un point alloué au pilote le plus rapide en course, ça vous avez l'habitude. Donc on va essayer de voir si on peut déjà aller titiller le leader, et on est devant Andy Smith. Troisième, donc retenez les noms, hein. Ça va être intéressant de voir au championnat qui se détache. Oh, et on a eu un gros survirage ici, j'ai pu la récupérer. Ça, c'était bien sympa. Dans cette manche ultra sprint, hein, 2 tours, ça va être très compliqué d'aller chercher déjà le meilleur tour en course, faudra pas se louper. Sur le 2e tour, et derrière ça attaque. Je suis surpris par le grip en virage de cette voiture, j'ai tellement l'habitude de la Formule Rookie. Et on ressort bien ici, on va passer le transpondeur pour le 2e secteur. Oui, alors petite information pour vous, comme on est passé en touring car, j'ai changé de volant. Donc le T500, je l'utilise maintenant avec le volant d'origine. Donc le grand volant rond qui, je trouve, correspond mieux à ce type de voiture. Et surtout, les palettes fixes qui vont derrière, évidemment. Donc c'est un peu mieux, je trouve que ça donne de meilleures sensations avec un plus grand volant. Alors on nous demande d'aller chercher le gars devant. On va essayer. Ouf, là on l'a percuté. Alors je freine bien plus tôt parce que j'ai surtout pas envie d'aller le percuter, de partir en tête à queue. Ce serait vraiment quelque chose de dommage. Mais par contre là on est très bien sorti. On a un très bon run. Mais alors où attaquer? Parce qu'honnêtement, je connais pas le circuit assez. Oh, on n'a pas su créer une brèche ici peut-être de l'autre côté. Il ferme la porte des deux côtés. Très bien joué de la part du leader qui a fermé la porte et à gauche et à droite. Par contre, là au niveau du tour, je pense que pour la prochaine chicane, qui n'est pas celle-ci mais qui est la suivante,
On a une chance d'aller attaquer. On va essayer de croiser un petit peu les trajectoires pour ressortir différemment. On a mieux relancé peut-être. Non, c'est similaire. Donc statu quo en tête. Derrière, ça perd un petit peu de terrain. Pour les garçons derrière. Et on est gourmand hein, sur les livreurs, on se fait plaisir. On sent que la voiture a du grip, donc on en profite. A voir si l'ouverture peut se faire. Mais en tout cas, il ferme bien les portes. Hein. Il a compris qu'il y avait une carrosserie pour se protéger. Là, on va donner un petit coup de pare-choc qui pourrait nous aider. Oh, et dans le droit, on est à deux de front. Mais je dois soulager si je veux que ça passe et que ça ne se termine pas en zéro pointé pour tout le monde. Et il va nous rester une dernière tentative pour attaquer, mais il va aller fermer la porte, je crois. Oh non, il la laisse ouverte. Oh, il laisse la porte ouverte et grandement, on plonge. Et c'est le contact. C'est le contact. Alors, est-ce qu'il a perdu? Ou est-ce qu'il est à gauche? Honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas où il est passé, Robertson. Je ne saurais vraiment pas vous dire. Et on remporte donc la victoire devant Andy Smith. Mais je ne sais pas où est passé Robertson. Il termine troisième. Donc, il y a eu vraiment... j'ai porté une attaque, mais j'ai vraiment été... très gourmand, donc on va sûrement revoir ça en ralenti. Donc comme vous l'avez vu, ça a été musclé, mais franchement je ne l'ai pas vraiment touché tant que ça. J'ai eu un petit contact et il a donné un grand coup de volant, et franchement voilà, j'ai porté une attaque et ça s'est mal passé, mais bon, je me reproche pas trop de choses. C'est vrai que c'était musclé, mais bon, il pouvait sans problème tenir la voiture s'il souhaitait, puis il avait laissé la porte vraiment ouverte quoi, donc voilà, j'ai même pu mettre une demi-voiture, donc voilà. Et c'est un très bon envol depuis la deuxième place avec de nouveau Ron Robertson qui était l'homme à nos côtés pour cette grille de départ et qui doit donc se reprendre après le deuxième tour de la première manche où ça a été très musclé. Et donc on a pris le commandement et on va devoir donc marquer un arrêt dans cette course de 5 tours qui va donc être un petit peu plus longue. Et surtout il va faire un petit peu différemment... au niveau de la météo, il va faire un petit peu différent, pardon. On est en fin d'après-midi, alors maintenant on a Robertson derrière, donc ça va être compliqué de gérer. On a simplement prévu du carburant pour l'arrêt au stand, donc voilà. J'ai pas prévu de changement de gomme, je ne sais pas si le règlement eh bien, l'impose. J'ai pas eu plus de détails de la part de la charmante voix off qui nous explique un petit peu les conditions du championnat. Donc voilà, très bon départ dans cette deuxième manche, on va parler un petit peu compétition avec Robertson, toujours deuxième. Qui a eu un peu plus de mal à s'élancer. L'avantage c'est que nous occupions l'intérieur sur la grille, donc là c'est cool, on a pu faire la différence. Alors le soleil qui eh bien, va de plus en plus eh bien, raser l'horizon de ce circuit d'Oulton Park, donc on va avoir quelques soucis, des zones d'ombre, des différences de température, donc très intéressant. Je regarde s'il ne faut quand même pas allumer les phares là, parce que là il fait assez sombre dans certains secteurs du tracé. Mais visiblement, mes comparses en piste ne jugent pas utile d'allumer leur feu. Alors, on va conclure le premier tour. Pour l'instant, on maîtrise, hein, honnêtement. On maîtrise cette première partie de course avec un bon départ. Pas exceptionnel, je vous le concède. J'ai mis du temps à relâcher l'embrayage alors que le drapeau vert était agité et que les feux étaient passés au vert. Alors on va essayer de ramener la voiture à la maison, comme on nous le dit. Alors, il va falloir faire un arrêt, comme je vous l'ai dit, donc pour le carburant. Je ne sais pas si ça fonctionne comme une fenêtre. Ou bien s'il va falloir faire l'arrêt nous-mêmes, donc en faire la demande dans un premier temps. Comme ça, par exemple. Je ne sais pas, on va voir. Parce que j'ai bien réglé mes paramètres... d'arrêt au stand, et là on était très gourmand sur le vibreur. J'ai même pas vu qu'il y avait des petits plots à l'intérieur de ce droit. Oh, et on est allé au large dans l'herbe, attention à ne pas commettre trop d'écart.
le soleil qui est vraiment dérangeant. Alors ça paraît bête hein, de vous dire ça, évidemment, mais le soleil est vraiment dérangeant dans certains points de freinage qui sont tout simplement en aveugle, puisqu'on est ébloui par le soleil, même si pourtant il n'est pas vraiment devant nous. Ça peut nous poser des problèmes. Alors, il va falloir tenir un peu plus le rythme avec ces Ginetta. Cette fameuse course sprint qui demande beaucoup de panache, et ces courses d'endurance qui demandent un peu plus de réflexion, notamment quant au moment où s'arrêter. Alors, on me dit que je dois changer mes pneus. Donc on va voir, on va peut-être se faire pénaliser comme des sales gosses. Je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas. Donc l'arrêt est prévu, donc on va plonger cette fois-ci dans les stands. On va essayer de ne pas non plus se prendre eh bien, une pénalité d'excès de vitesse par exemple. C'est pour ça qu'arriver en tête avec un petit peu d'avance va nous permettre de freiner peut-être un petit peu mieux. Alors les stands à droite toutes. Je ne sais pas où est la ligne. Alors, ça n'était pas le bon qui était... non. Voilà. On nous remet donc le carburant demandé. Et visiblement, on change les gommes. Donc le changement de gomme est obligatoire. Oh là là, il y a un souci, un écrou de roue est coincé, donc on perd du temps. Le pilote qui est derrière nous est le pilote le plus dangereux. Est-ce qu'il va ressortir devant nous? On perd du temps, et oui, on perd le commandement. On perd le commandement puisqu'on a un gros souci. Et on a un problème de boîte de vitesse. Alors est-ce que c'est l'abandon? Ce serait une petite catastrophe dans cette manche sprint. Alors, problème de boîte, alors gros souci mécanique. Alors comment tout cela va se passer, honnêtement je ne sais pas. On va voir si la boîte répond, peut-être qu'il y a des rapports qui ne passent plus, on va essayer de les passer en H pour voir s'il y a des rapports qui ne répondent plus. Alors oui, j'aurais dû les passer en H depuis le début, je ne m'en rends compte, navré. Non, pour le coup ça va, la boîte répond bien. Alors on a perdu énormément de place et énormément de temps, même s'il y a encore des voitures qui doivent stopper. Mais là, l'écrou de roue coincé, il va peut-être nous coûter de nombreux points. Alors que là, on a coupé la piste. Alors que je suis reparti en boitant, j'ai changé mon mode de conduite navré. 53 secondes, on a perdu une minute dans l'arrêt au stand. Et ça, c'est vraiment... pas ce qu'il faut faire dans ces manches. Alors c'est un peu plus long, on a quand même quelques tours pour se reprendre. Donc on va lancer la grosse attaque maintenant. Mais ces soucis mécaniques qui n'étaient pas vraiment attendus. La course se passait bien, on menait l'épreuve. Alors je ne sais pas si c'est scripté, si c'est pas scripté c'est génial, si c'est scripté c'est un peu dommage. On va voir, on va essayer de tirer un maximum, si la vitesse rentre dedans, un maximum de notre Ginetta. On va allumer les phares pour montrer aux autres qu'on est décidé à remonter. Et puis ça vous aidera aussi à voir un petit peu mieux le tableau de bord. Alors l'autre salve d'arrêt au stand va commencer. Puisque tout le monde n'a pas pu rentrer au même tour, j'imagine. Les 20 voitures n'ont pas stoppé au même moment. En tout cas, pour mes soucis de boîte de vitesse, je ne sais pas où il les a vus, mais pour l'instant... je n'ai pas d'alerte, et de nouveau des voitures au stand, donc voilà, ça c'était prévu. Et il va falloir reprendre des points, on est 18ème, ce serait bien d'aller chercher un top 10. Et pourquoi pas le point du meilleur tour en course. Allez, on est déjà remonté un petit peu, on est que 16ème. Oh là là, le garçon là qui était motivé. Mais lui sortait des stands, donc il a les pneus froids. Donc 15ème place, donc une petite catastrophe hein, dans notre championnat. Ce souci d'écrou, ah là là, c'est vraiment dommage. Alors là, est-ce qu'on peut peut-être essayer d'aller plonger à droite? On va essayer de la jouer comme ça. Et pas du tout. Oh, et la voiture qui est partie complètement. Donc ça, c'est très mauvais.
on va repartir et on a percuté la 54 qui était également en piste. Et que de mauvaises choses là dans cette course, tout part en catastrophe, mais c'est le jeu, hein. Bien entendu, c'est l'intérêt de cette carrière, c'est que vous ne voyez pas que des victoires et des records du tour. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt, c'est la vie d'une carrière. Tout le monde ne peut pas gagner le Mans chaque année, maintenant on peut le dire après ce qu'a fait Audi ce week-end. Allez, la Ginetta qui va devoir donner tout ce qu'elle a dans ses tripes jusqu'à la fin de cette course. Il va rester un tour et je pense qu'il y a encore des gens qui vont stopper, honnêtement. Donc on a tenté de porter une attaque, ça n'a pas fonctionné. Je pensais que la voiture allait être plus coulée que ça. Oh, et ici. Et le contact, de nouveau le contact. On est allé s'appuyer sur la voiture qui n'a eu d'autre choix que d'aller à l'extérieur. On est un peu plus agressif, hein, mais c'est du touring car, les gars. Hein. C'est ça aussi qui fait les... le sel de cette catégorie, de ce type de compétition. Est-ce qu'il y a encore des gens au stand? Non, je pense que tout le monde a stoppé. Donc ça va être un gros zéro pointé. Alors est-ce qu'on va récupérer peut-être les points? Oh là, la voiture qui est vraiment en difficulté. Alors la boîte qui a beaucoup de mal à descendre. Et il y a un garçon là à droite, et oui, la numéro 10. Oh, et contact de nouveau, et il va faire un tour dans l'herbe. C'est pas parce qu'on est 17ème qu'on va se laisser faire. De nouveau contact. Alors là, c'est lutte en fin de peloton, et les pneus refroidissent. C'est vraiment une catastrophe. Au niveau de l'essence, ça devra le faire de toute manière, ça ne vous inquiétez pas. On avait bien calculé l'arrêt. Mais cet écrou... qui va bien mettre à mal notre première course. Et pourtant, on avait fait un beau résultat. Hein, alors que là, le soleil, ça devient insupportable, même au niveau de l'écran. Je vous avoue que c'est compliqué. Allez, c'est reparti à la relance. Donc ce sera très difficile de contrer ces soucis. Alors sachez que j'ai pris dans la liste des équipes qui m'étaient proposées... celle qui avait le plus d'expérience, que je me dis, bon, quitte à avoir une équipe à arrêt au stand, chose que je ne savais pas quand j'ai choisi mon équipe, je prends toujours l'équipe avec le plus de... le plus d'expérience. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Parce que les jeunes équipes, bon, ça peut faire des bêtises. Donc là, l'écrou coincé, ça... Ah, je l'ai en travers de la gorge, désolé, mais... ça a commencé à rendre ce championnat intéressant, et je comprends qu'il y ait 5 manches. Ça va nous laisser l'occasion de grappiller des points. Et je me demande s'il n'y a pas plus de points d'ailleurs pour la manche longue que l'on va terminer maintenant après ce droit. Oh, alors que devant il y a encore de l'attaque. Et on va faire donc le 16e résultat. Et voilà, ah, je suis dépité de ce qu'on a fait aujourd'hui. On était en tête, on avait la voiture pour faire le boulot. Et malheureusement, eh bien, on va se retrouver... assez loin, mais bon, le championnat est loin d'être terminé, les amis. Au niveau du classement, eh bien, c'est Robertson qui, heureusement, d'ailleurs, n'a pas gagné la première manche. J'aurais été une petite catastrophe au championnat. Et donc, nous, au niveau des points, est-ce qu'on marque des points? Et oui, malgré tout, on met 5 points, puisque les 20 pilotes de la catégorie remportent des points. Ça, c'est plutôt que sympa. Et on n'a pas du tout de meilleur record de tour en course de tout le week-end, donc ça, c'est formidable. Heureusement qu'on a le bonus de la pole. Et donc, ça nous met 5ème au classement avec 41 points, malgré notre victoire. Donc, ça nous donne déjà de bonnes sensations après ce premier meeting d'Oulton Park. Donc, il y a encore, je crois, 4 meetings. Donc, il y a encore énormément de points à prendre. C'est ici que l'on va se laisser. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de ce championnat. Maintenant, vous aurez 2-3 épisodes par semaine, comme je vous l'ai promis. Salut !